Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai fait ma journée de sportif, ma journée de sport. Alors, en ce moment, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup. Je remplis pas mes carnets de sport exactement. Alors, je me suis puni tout seul en faisant, on va dire, c'est pas une punition, c'est juste que je voulais vraiment voir jusqu'à là où je puisse aller, puisque au niveau cardio, deux fois, j'y suis plus, puisque entre les périodes de confinement et tout ça, d'habitude, je fais un peu de course et tout, tranquille et tout, mais là, il y a beaucoup de relâchements de ma part, du coup, ben, je me suis dit, bon, on m'a déjà proposé de faire cette vidéo, et du coup, j'ai dit, bah, pourquoi pas, je vais faire cette vidéo. Je vais faire la vidéo, en fait, avec ce professionnel sportif youtubeur, Thibaut, et que vous connaissez très sûrement, vous connaissez tous certainement. Et puis franchement c'était une bonne idée, la personne qui m'a donné cette idée, c'était une très très bonne idée. Et du coup, pour voir là où j'ai au niveau performance, parce que au niveau cardio c'est pas trop ça, et des fois j'ai besoin d'un petit reboost. Et du coup je pense que je ferai souvent des vidéos comme ça, et je vais souvent faire les journées sportives avec le youtubeur Thibaut, puisque c'est un youtubeur vraiment, c'est un youtubeur de bonne qualité, et vraiment c'est vraiment un grand, c'est un professionnel, lui, il n'y a rien à dire. Vous allez voir sur cette vidéo que moi, comparé à lui, je suis un peu à la rue, je suis vraiment loin. Bon, je veux commencer à faire, là j'ai commencé à préparer mon endroit là où je vais faire mes vidéos, c'est juste à côté là ici. Et puis voilà, je vous laisse, et je vous laisse visionner la vidéo, et n'hésitez pas à mettre de son commentaire si vous trouvez que j'ai besoin du travail. Ça c'est sûr et certain, j'ai besoin de faire beaucoup de cardio. Je suis en manque de cardio avec ces périodes de confinement, cette période là où il faut rester à 18h à la maison et tout ça. Enfin, j'en ai vraiment marre de ce couvre-feu. On veut tous que ça s'arrête un jour, mais bon, ça s'arrête pas encore, on n'est pas prêt de s'arrêter. Bon, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et quant à moi, je veux éventuellement là, tout de suite là, faire la vidéo en direct là. Et puis vous me direz mes compétences et ce que je dois évoluer, puisque vraiment là, c'est une des premières vidéos. Je pense que je veux galérer. Franchement, je veux galérer, je pense. Bon, je vous laisse visionner la vidéo, les amis. Et on se retrouve par là. J'espère que vous êtes chaud, en forme. On va commencer squat classique. Hop, allez, c'est parti. Hop, on descend en squat. Talon enfoncé dans le sol, genou vers l'extérieur et on remonte. Allez. On est chaud, on est motivé. C'est parti. Hop, on pose le cerveau, on déconnecte et on prend soin de son corps pendant 10 secondes. Parce que même si sur le coup vous allez souffrir un petit peu, votre corps va vous remercier. Et ça c'est cool. Allez. Pas encore. Très très bien, allez. On le monte, du coup, c'est pas si mal. Super. Allez, prochain exercice, jumping jack. Vous le connaissez, ça va réveiller vos épaules, votre cardio. Allez. D'ailleurs, tant que j'y pense, les tapis de sport Team Shape sont enfin dispo sur le site. Ils sont de retour, ça y est. Allez. On pense à bien souffler, on met du rythme, c'est très très bien. On serre les abdos aussi au passage. Allez, avec le sourire. Plus d'excuses. Encore. Très très bien, allez. On souffle, on souffle, on souffle, allez. Allez, j'ai mon programme sous les yeux. Super, allez. Bon, prochain exo. Debout, assis. On fait souvent des debout couchés, là c'est du debout assis. Allez. Debout, assis. Allez, debout. Assis. Debout. Assis. Ah bon? Debout. Assis. Debout. Assis. Debout.
assis, debout, assis. J'ai l'impression d'être un petit chien dans ça. Debout, assis, debout, allez, assis. On bouge tout son corps en faisant cet exercice-là. Il y a tout son corps qui travaille. Assis, debout, assis, debout. Super. Prochain exo, on va sautiller comme si on avait une petite sur la soupe. Hop, délacé. Hop. Voilà, faites délacé. Hop, et voilà. Vous avez vu, je sais même pas m'élacer, ça c'est pas beau ça. Allez. On sautille. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos messages d'anniversaire, c'était cette semaine. Merci beaucoup, je viens d'avoir 17 ans. Et oui, non, je déconne. 29. Allez. Putain, bientôt je vais voir 30 ans et je pourrais dire, vous avez vu, on peut être plus clair 30 ans comme merde. Allez, mais vous avez raison, faut vivre avec son âge, allez, y'a pas d'excuses. Le plus important c'est d'être jeune dans sa tête et dans son corps, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que l'air de rien, le sport, ça maintient jeune. Bon, de toute façon, ça je vais vite le savoir. Hein. Allez, on s'arrête les abdos, on sautille, allez, on sautille. Quand on a sauté, allez. Super, c'est très très bien. Prochain exo, on passe au sol. Allez, on va venir hop, comme ceci et on va toucher le ciel avec ses bras. On va essayer. Allez, on vient essayer de toucher les étoiles. Ah, c'est pas bien ça. Encore. Allez. C'est très très bien. Allez, tenez bon. On décolle bien les épaules du sol. Vous avez vu, j'ai les épaules décollées, je descends. Allez, 10 minutes, c'est rien dans la journée. Super, allez, position gainage. On va se mettre bras tendus et on va venir toucher ses épaules. On appelle ça le shoulder tap. Un exo qui va rentrer vos abdos et aussi votre épaule. Allez, bras tendus. Et on vient toucher les épaules. Allez. Donc, quand vous faites l'exercice, soyez pas comme ça. Je veux pas que vous soyez comme ça. Essayez d'avoir le buste parallèle au sol. Vous avez vu? Voilà, je suis pas comme ça. Vraiment parallèle. Essayez vos abdos. Allez. On vient toucher l'épaule, puis l'autre. Encore. C'est très très bien. Allez, on se redresse. Debout, couché. Donc là, il n'y a pas de saut, on n'est pas sur un burpees. Hein. Allez, on s'allonge complètement au sol et on se redresse. Voilà, on fait fonctionner son corps. Il y a tout le corps qui bouge. Voilà, vous avez vu, hop. Les poignets, les triceps, les avant-bras, on pousse le dos, les fesses, les ischios, les cuisses, les mollets. Et on redescend. C'est vraiment un exo super complet. Et c'est pas traumatisant parce qu'il y en a beaucoup qui ont mal au genou. Et là, il n'y a pas de saut. Allez, encore. Encore, on tient bon. Super. Hop. On est au sol, tant mieux, on y reste. Allez, on va rester en Superman Hold. Qu'est-ce que c'est comme nom? En fait, c'est vous allez lever les genoux et lever le haut du corps. Il n'y a que votre bassin. Vous avez vu, comme si on faisait un saut en parachute. Voilà, sauf qu'on atterrit jamais. Allez, les genoux ne touchent pas le sol. Fessiers contractés. Le haut du corps non plus. Et on souffle. Allez, on tient bon.
Vous vous redressez pour vraiment sentir votre dos travailler. Encore, 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 allez. Allez, 5 minutes, allez, 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 16. Allez, on va y passer la nuit. Chicago. Très, très bien, allez. Du coup, on arrête, moi je suis fatigué. On continue. Non, je continue. Allez, on est courageux. Super. Hop, prochain exo, gainage sur les coudes. Hop. Ça va réveiller tout votre corps, c'est super cet entraînement. Allez, gainage coude. Hop. Ah non, ça va, je vais le faire. Très bien, vous avez vu, j'ai pas les fesses comme ça, j'ai les fesses. Voilà. Baissez, baissez, sans avoir les genoux qui touchent le sol. Hop, on lève les genoux. Et on serre les abdos. Allez. On tient bon. Ah, je peux plus. Je veux lâcher. Allez, encore, encore, encore. Non, non, je peux pas. Je peux plus. Je veux lâcher. Très, très bien. Allez, on tient bon. Allez, les deux. Allez. Dernière exo, on va se défouler, on va donner des coups de pied. J'essaie de mettre de plus en plus d'exercices un petit peu aussi, qu'on appelle ça quoi, du body attack ou un truc comme ça. Et là, hop, on va donner des coups de pied. Allez, on se défoule. Encore. Encore, c'est très très bien. Allez, on met du rythme, gauche, droite. Gauche, droite, allez, on reste en garde. Ça me rappelle mes années quand je faisais des arts martiaux. Allez, j'ai fait 9 ans de Viet Vu Dao, je sais pas si vous connaissez. C'est un art martial vietnamien. Allez, yes! Bravo! Je suis fier de vous. À présent, à Team Shape, si vous voulez rejoindre le challenge 21 jours de ma masterclass, le lien est dans la description. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, une nouvelle vidéo d'entraînement tous les jours. Et si vous avez encore de l'énergie, cliquez ici et faites une autre vidéo sport. Mais surtout, n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Boom! Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, voilà, c'était vraiment, franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment très dur, franchement, je vous le cache pas, parce que franchement, j'ai fait un peu de séances, en fait, de musculation, tout ça, j'avais soulevé tout à l'heure, comme j'aime bien faire, soulever mes poids de 40 kg, 80 kg, 85 kg, tout ça, j'aime bien faire ça, soulever mes petits poids tranquille, et puis je faisais un peu de pompe et tout, avant, pour se chauffer, se préparer physiquement. Et puis après, je me suis enchaîné sur ce petit sport avec Thibaut. Parce que bon, là, c'est une vidéo que je devais faire depuis un moment. Du coup, on me l'avait demandé. Et je remercie les personnes qui m'ont proposé cette vidéo. Parce qu'en ce moment, des fois, je ne sais pas quoi faire comme vidéo. Comme vous avez vu dans ma chaîne, il y a souvent un petit live. Si vous hésitez, ou si vous voulez me parler dans les lives, je suis souvent dans les lives le soir. Et souvent en semaine, en fin d'après-midi. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Franchement, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant de faire un peu de sport avec Thibaut, parce que c'est un youtubeur sportif professionnel, franchement. Et c'est son travail. Lui, le sport, c'est dans le sang. Vous avez vu, là, il a un corps d'athlète. Tout le monde rêverait d'avoir un corps d'athlète comme ça. Bon, après, moi, si je travaille beaucoup physiquement, etc., je peux arriver à ce niveau-là, mais bon. Il y a encore du travail, je pense, pour moi. C'est pas parce que j'ai deux petites paires de muscles que je vais me vanter. Je vais dire, ah, je suis quand même 50 cent et tout ça. Non, non, non. Je me vante pas. J'aimerais juste d'avoir beaucoup de muscles et tout ça. Et de garder l'aspect physique. C'est très important d'avoir un bon physique et d'être bien mentalement, moralement. Puis voilà, ça me faisait plaisir de faire cette vidéo. Comme ça, moi. Parce qu'avec cette période de confinement, un coup on est à la maison, un coup on ne peut pas sortir à 18h et tout ça. Le sport, on ne peut pas courir dehors, on ne peut pas faire trop ce qu'on veut. Donc voilà, les salles de sport, moi, c'est pas trop mon truc, je fais plus de sport chez moi.
et je sors un peu, mais bon, après, voilà. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. Et si vous en voulez une autre vidéo avec Tubo comme celle-là, n'hésitez pas à me marquer sur le commentaire et j'en referai une. Je pense que cette vidéo va beaucoup intéresser mon pote Maudit que je vais voir bientôt. Je ne sais pas si on aura le temps de faire une vidéo ensemble, mais peut-être, je ne sais pas combien, je sais pas quand, mais bon. Ça va beaucoup intéresser mon pote Maudit. C'est surtout pour Maudit que j'ai fait cette vidéo, parce que lui, c'est dans les salles de sport en ce moment. Il fait de la musculation à la maison et puis voilà. Bon, ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Moi, je vais finir avec un bon petit verre de jus d'orange bien compressé. Enfin, bien pressé comme je devais être pressé dans la vidéo. Je dis des conneries. Et puis voilà, et puis là, je vais manger tranquillement, équilibré, comme il a dit Thibaut. Bon, là, je ne vais pas me casser la tête. Je vais me faire des pâtes, un peu de viande et tout, une belle petite sauce. Et puis voilà. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Hein. Il y aura une vidéo sûrement, ben, sûrement pour Lyon, hein, parce que je ne sais pas s'ils vont perdre demain face à Saint-Etienne. Enfin, bref. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Moi, je vais finir de boire mon jus d'orange compressé. Et puis voilà, ah, c'était dur quand même. Si, c'était dur. Ça mérite un bon verre de jus de prendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis perturbé. J'ai dit un bon verre de Coupe de France. N'importe quoi. Ah, quand je fais des vidéos, je dis n'importe quoi. Je devrais faire des vidéos tout souvent parce que je suis perturbé, je bégaye, n'importe quoi, moi. Bon, allez, salut les amis. Salut. Ah.